T'as les amis, regardez. J'ai jamais vu autant de gachapon à un endroit. Hop, gachapon. Et en fait, il y en a plein. Bah là, il y a un gachapon Pokémon. Alors, ça coûte combien? Je sais pas combien ça coûte. Il y a marqué qu'on peut mettre des pièces de 10 et 200 yens. Je sais pas combien ça coûte. Ah, c'est 300 yens. Donc là, c'est 300 yens. Le Kirby, c'est 300 yens. Regardez, il y a Kirby. Alors, moi, je veux le Kirby. Là, il y a des Puyo Puyo. Des voitures de pompiers. En fait, c'est aussi pour les enfants. Enfin, je crois que c'est principalement pour les enfants. Mais le Pokémon, je le veux. Regardez, ça, je suis sûr qu'il y en a que ça plairait trop. Espèce de rat. Non, c'est un hamster, c'est ça. Des pandas. Snoopy. Je sais pas ce que c'est que ce truc aussi. Hey! C'est Toy Story! J'ai pas vu le nouveau Toy Story d'ailleurs. Et c'est pas fini parce qu'en fait, il y en a plein. Il y en a là aussi. Là, c'est des rats. Là, c'est des tricks. Ah, bah là, c'est. Je me rappelle plus le détective. En plus, je regardais. Ah, détective Conan. Il est écrit en tout petit. Détective Conan. Tu sais, quand tu te rappelles pas, des Shiba, bien sûr. On est au Japon, hein, donc il faut voir forcément des Shiba. Sakura. Sakura Taizen, si je dis pas de bêtises. Alors, je suis pas très à l'aise avec assez Sakura. Des mini consoles de jeux, bizarre. Je sais pas ce que c'est. It's the Idol Masters, ça doit être un groupe de J-pop, je suppose. Je sais pas du tout. On a Spider-Man, Goremon aussi. Mickey, oh, des Hatsune Miku. Ça c'est. Je sais pas ce que ça doit être, un jeu mobile, je pense. Il y en a des Mickey. En tout cas, il y en a vraiment beaucoup. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre des Hatsune Miku et peut-être aussi des Pokémon, je sais plus lesquels, ils étaient quelque part là. Voilà. Les Pokémon, ils me tentent bien. Les Kirby aussi, ils me tentent bien. On va prendre une Pokémon, une Kirby. Et une Hatsune Miku. Bon, alors je teste avec Pokémon ou Kirby avant. Je sais pas, le Kirby m'inspire plus. Alors, on met dans des pièces 1, 2 et 3 pièces. On tourne. Alors, ça va pas rendre une monnaie forcément parce que j'ai mis pile d'argent. On ouvre, on récupère. Notre gacha. On peut même l'ouvrir sur place, ça c'est cool. Alors comment ça s'ouvre cette merde? Il y a du scotch en fait en dessous. Juste là. Arg! Je vais surtout le faire tomber en fait. Moi je propose, je fais pause et je remets la suite. Allez, je l'ai enfin ouvert et en fait c'est un. Kirby vaisseau spatial. Et en fait il est tout mou, c'est rigolo. Je vais le remettre dans sa gacha. On fera des photos plus tard avec. Et je pense que je vais m'en prendre d'autres en fait. Du coup c'est cool comme concept. C'est un truc qui a été inventé pour moi, tu vois. C'est mieux que les jouets au McDo. En fait je disais quelque chose parce que je me demandais qu'est-ce qu'il y avait dans cela. Et en fait dans cela il y a trois types de lots. Il y a les lots A qui font 50 millilitres. Il y a les lots B et les lots C. Et en fait, du coup, c'est une espèce de chose. Parce que si t'as un lot A, t'as quand même une putain de figurine. On doit pas en avoir beaucoup. Il y a marqué 2. Donc je suppose que c'est le nombre de chances qu'il y a de l'avoir. Donc en 8, le plus de chances d'avoir, ça doit être ça. C'est-à-dire d'être des badges, des pins. Ensuite, tu as les porte-clés. Et après, t'as les figurines qui sont beaucoup plus rares. Donc en fait, t'as une espèce de jeu de chance en même temps dans les 4 chapons.